Objectif SCSNFP, le syndicat des employés du système national de formation professionnelle, c'est plaidoyer des mesures drastiques capables de prendre par responsables qui sont en tête système pour permettre le redressement de la situation critique actuelle du SCSNFP, vu à partir de graves problèmes d'ordre systémique, structurel et administratif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le problème ou les problèmes sont nombreux. Mais nous sommes capables de dire, nous pourrons prendre certains points saillants qui préoccupent nous. Non seulement en tant qu'employés, mais aussi en tant que citoyens haïtiens. Parce que négligence que dirigeants yo systématiquement portée dans le système de formation professionnelle là, nous sommes capables de dire sincèrement qu'il y a la base de plus forts problèmes que nous avons confrontés aujourd'hui. Parmi les points, le premier point, parce que aujourd'hui, le vrai problème, c'est que nous gagnons environ 12 points qui empêchent bonne marche INFP. 12 points qui permettent INFP rater mission. Premier point, c'est INFP qui a trop de bureaucrates en dedans. Le système technique nous dit que le pas capable de tout bureaucrate ça yo là-dedans. Deuxième point, c'est un paquet c'est cadre qui en dedans système formation professionnelle là gagne en pile qui parle en place yo. Troisième point, bureaucratie INFPA li trop lent. Là que n'a parlé de trop lent, nous avons un système si en réalité que ou fait une demande de nomination ou fait une demande de régulation automatiquement que bagay qui peut prendre 2 semaines ou bien 1 mois quelconque ou fait 2-3 ans nous pas capable joindre une solution. On garde des dossiers qui prennent près de 6 à 7 mois depuis que ont été traités. Depuis que vous faites chimère, vous passez par OMRH et vous revenez dans la primature, malheureusement, l'exercice est fini et le dossier a été bloqué. Donc, je demande à la Premier ministre donc, pour lever main sur le dossier, pour permettre que non seulement dossier nomination, dossier promotion et dossier régularisation, ça l'est tout, qui personnel INFPO et personnel tout centre public à plein. Donc, nous avons souhaité que ça soit finalisé. Et bien ensuite, on a fait 4 DDB qui effectivement dans tout l'autre ministère, mais ou INFP, qui c'est une institution qui est autonome depuis le décret 2018. Là, mais malheureusement, le personnel est toujours à plein, il va arriver jeune. Donc, nous avons souhaité que le Premier ministre autorise le ministre de l'Éducation nationale, le ministre financier, autre pour rechercher une formule pour permettre que les employés bénéficient de l'opportunité. Parce qu'il y a un travail en pile, malheureusement, le salaire n'a pas répondre vraiment aux besoins, ça n'a pas satisfaire les besoins. Donc, en ce sens, nous avons souhaité accompagner les jeunes pour continuer à l'état de service. Jean Sadoué.